Ayez foi en Dieu. Peut-être que tu es là, tu dis, ah, homme de Dieu, prophétise sur moi ou non. Ce que je dis là, c'est déjà la prophétie. La prophétie, c'est lorsqu'on parle sous l'inspiration de Dieu. Faut pas chercher juste, homme de Dieu, localise-moi. Non. Ce que je dis là, si tu as foi en Dieu, tu vas recevoir ta délivrance et recevoir ta victoire. Amen. Élève ta main droite. Tendre Père, merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de victoire. Et tu veux aussi que nous puissions remporter la victoire. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur, parce que je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur, pour ta présence. Sois attentif à ma prière, Seigneur. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et les enfants d'Israël, ils avaient remporté la victoire. Première victoire, c'était où? À Jéricho, hein? Pour s'emparer de cette ville. C'est par la foi. Dans la foi, un homme, dans la foi, une femme qui est affaiblie. Il est écrit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Dans la foi, un homme qui est affaibli. Pour qu'en ces jours, qu'ils comprennent que tu es Dieu. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que tu voyes. J'ai prié pour toi que tu voyes la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Comprenez que tu n'es pas seul dans cette bataille. La bataille appartient à Dieu. Je prie pour toi que tu comprennes. Dieu n'est pas que le Dieu de victoire. Il est aussi l'éternel des armées. Adonai Sabaoth. Je prie pour toi que tu remportes la victoire là où tu as besoin de les remporter. La victoire dans tous les domaines de ta vie. La victoire dans la foi. Que Satan ne puisse pas détruire ta foi. Que Satan ne réclame plus ta foi. Mais que tu aies la victoire au niveau même de ta foi. La chose la plus importante pour nous les chrétiens, c'est la foi. La Bible déclare que le Fils de l'homme retournera sur la terre. Trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Je prie pour toi que tu gardes la foi en Jésus. Que tu gardes la foi en Jésus. La foi est très importante. Je prie pour toi que tu comprennes que le Seigneur est avec toi et qu'il t'aime. Je prie pour toi que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que tu comprennes que c'est par la foi que tu vas vaincre. Je prie que tu sois un homme de foi, une femme de foi, au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu reçoives une onction nouvelle ce matin. Une onction fraîche. Une onction fraîche au nom de Jésus. Que Dieu te oint par l'onction au nom de Jésus. Parce que la victoire viendra que par l'onction. À part la foi, à part la grâce, il faut comprendre aussi que l'onction est très importante. Il te faut l'onction. David avait vaincu le Philistin à cause de l'onction. J'ai prié pour toi. Que l'onction te donne le pouvoir sur tes ennemis. Que l'onction te donne les manteaux sur tes ennemis. Que tu puisses battre tous tes ennemis au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. La Bible déclare que le Philistin a pris qu'on avait un David pour roi. J'ai prié pour toi que tu comprennes que quand tu es oint, l'onction attire les ennemis. Quand tu es vraiment oint, un vrai oint de Dieu. Il est souvent combattu. Dans la Bible, vous allez voir l'histoire de David. Il était très combattu. Savez-vous pourquoi il était combattu? Parce que c'était l'onction qui attire les ennemis. Et souvent, les gens qui nous combattent, ce n'est pas les gens de l'extérieur. C'est les gens qui nous connaissent. David était combattu premièrement par Saül. Saül avait combattu David. Vraiment pas possible.
Peut-être que tu es là, tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est tout près de toi qui te combat. Mais moi, je prie que l'onction du Christ t'accorde la victoire. Le plus grand combat que nous avons, c'est le combat de l'intérieur. Ce n'est pas le combat de l'extérieur. Satan n'a pas de temps. Il n'a pas le bal à perdre. Il veut te cibler. Et pour bien te cibler, il va utiliser quelqu'un qui te connaît très bien. David, il était combattu par Saoul qui le connaissait très bien. David était combattu par le Philistin qui le connaissait très bien. David était combattu par Absalom, son propre fils, qui le connaissait très bien. Mais l'onction était là pour le protéger. J'ai pris pour toi. Que l'onction qui est sur moi te touche. Karabasata. Que l'onction que Dieu m'a donnée puisse te toucher au nom de Jésus. Que le Seigneur te protège à cause de sa grâce et à cause de l'onction prophétique. Parce que c'est l'onction aussi qui nous protège. Que l'onction t'épargne. Que l'onction te protège au nom de Jésus. Je prie pour toi. N'aie pas peur du combat. Par contre, quand vous voyez le combat qui arrive, cela montre aussi que Dieu va te faire avancer. Dieu va te lever. Tu ne peux pas avoir l'élévation quand le combat. Tu ne peux pas avoir le succès sans le combat. Tu ne peux pas être élevé sans pour autant passer par le combat. Et le Seigneur te connaît très bien. Pour que tu sois un homme de prière, Dieu permet parfois que le diable t'attaque. Parce que quand le diable va t'attaquer, c'est alors que tu vas apprendre à prier. Si on ne t'attaque pas, est-ce que tu vas apprendre à prier? Est-ce que tu vas chercher Dieu quand tout va bien? Non. Je doute, mon frère, que quand tout va bien dans ta vie, tu es marié, 3 enfants, tu as une maison qui coûte 500 000 euros, tu as une très belle femme, tu as un très bon travail, hein? Tu habites quelque part dans un villa, tu as tout, tu voyages une fois par mois. Donc vraiment tout va bien avec toi. Tu dors comme un bébé, tu te réveilles comme un bébé. Écoutez, non, là tu ne vas pas prier. Dieu permet parfois certaines flèches pour nous pousser à le chercher. J'ai pris pour toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Mon frère, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Tant que prophète, je prie et je déclare que la victoire soit ton partage. Victoire dans ta vie. Victoire dans la foi. Victoire dans le mariage. Victoire dans le business. Victoire dans tes études. Victoire dans ta maison. Victoire dans la vie de tes enfants. Parce que la Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es un vainqueur. En toi, il y a la victoire. Tu as l'ADN de vainqueur. Tu fais partie de la race de vainqueurs. Tu viens d'une race royale, la race de Dieu. Tu viens de la race royale. Tu fais partie de la race royale. Au nom de Jésus, en ce jour, je déclare que tu vas sortir victorieux. Dans ce combat, tu es victorieux. Dans cette bataille, victorieux. Parce que Jésus a payé le prix. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Et attachez-vous à Jésus. Parce que la victoire dont je parle ici, c'est aussi lié à l'œuvre salvatrice de Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, dit la Bible. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau, reçois la victoire. Par le sang de l'agneau, reçois la victoire. Que personne ne te séduise. Ton nom est victoire. Ah! J'ai dit, ton nom est victoire. On ne t'appellera plus un homme qui échoue. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as l'identité de vainqueur. Ton nom est victoire. Bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée dans le Seigneur. Une journée de victoire et de paix. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen.
présence. Merci parce que tu es fidèle. Aujourd'hui, grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie. Seigneur Dieu des grâces, je vais prier pour ton peuple. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve à part le nom de Christ. Accompagne mes paroles par le signe des prodiges. Pour recevoir un nom nouveau, c'est par la parole de Jésus. Je veux, Seigneur, que pendant que je prie, que tu accompagnes mes paroles pour qu'elle ait de guérison, pour qu'elle ait de miracles au nom de Jésus. Souviens-toi que je suis ton serviteur et tout ce que je le fais parce que je crois en ton Fils Jésus. Et je le fais aussi par l'alliance. Je suis ton prophète. Je veux qu'il ait de signes et de guérison. Que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ai prié pour toi là où tu es. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que tout ce que je veux déclarer sur toi se réalise et se concrétise au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que tu vois tout ce que je vais déclarer sur ta vie. Que ça ne soit pas que des paroles, mais que ce soit des paroles qui donnent la vie là où il y a la mort. Que ce soit des paroles qui vont éclairer là où il y a le ténèbre. Que ce soit des paroles qui vont te libérer de prison spirituelle. Que ce soit des paroles qui vont briser la malédiction. Que des paroles que je vais déclarer sur toi puissent t'encourager, t'édifier, te libérer, t'éclairer, te sauver au nom de Jésus. Parce que ça ne sera pas que des paroles vaines, mais des paroles sous l'inspiration divine. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration divine. C'est un porte-parole. Moi, je fais que ma part de transporter ce que j'ai reçu de la part du Seigneur par ma bouche, de canaliser ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai prié pour toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit avec toi, que le miracle de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi, que tu voies la main de Dieu, que tu voies la bonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde un nom nouveau. Je dis que Dieu t'accorde un nom nouveau. Au nom de Jésus. La Bible déclare que je vous donnerai un nom nouveau. Que Dieu t'accorde une nouvelle identité. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde une nouvelle identité. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu voies les promesses de Dieu. Que tu voies la main de Dieu en ces jours. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Je lui donnerai une pierre blanche et gravée sur la pierre. Et un nom nouveau que personne ne connaît. Sinon qu'il reçoit, dit la Bible. Je prie que Dieu t'accorde un nom nouveau. Une nouvelle identité au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. Je déclare et je prophétise que ta vie ne finira pas ainsi. Je dis, ta vie ne finira pas dans les malheurs, mais dans la gloire. Cette année ne finira pas dans l'opprobre, mais dans la gloire. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous avez commencé cette année, c'est plutôt comment vous allez l'achever. Et la Bible déclare, mais la fin d'une chose qui est son commencement. J'ai prié pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tout nom qu'on t'a donné dans le monde spirituel, tout nom qu'on t'a donné dans le monde spirituel, parce que le nom joue un rôle majeur dans notre vie. Nous sommes caractérisés par le nom. Nous sommes formés par le nom.
Le nom que nous portons, c'est ce qui nous forme. C'est ce qui nous caractérise. Dans le monde physique, même aussi dans le monde spirituel. Et je prie pour toi. Que tout nom qui est démoniaque, tout nom qui vient de ta famille, tout nom qui influence ta vie, au nom de Jésus, tout pouvoir qui a été investi sur ton nom, en ton nom, du côté paternel et du côté maternel, j'annule cette influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, j'annule cette influence au nom de Jésus-Christ. Toute influence qui est liée en ton nom, influence satanique, influence du malheur. À partir d'aujourd'hui, j'annule cette influence. Tout nom qu'on t'a donné, le nom du malheur, le nom de l'échec, le nom du célibat, le nom de pauvreté, j'annule ce nom par le sang de l'agneau. J'annule ce nom par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Je déclare que tu reçoives une nouvelle identité. Que tu reçoives une nouvelle identité. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour toi. Qu'à partir de... que tu portes un nom nouveau. Parce que pour recevoir un nom nouveau, c'est par la foi en Jésus-Christ. Par ta foi en Jésus, je prie et je déclare que tu reçoives une nouvelle identité. La Bible déclare, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je prie pour toi que quiconque utilise ton nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre, quiconque utilise ton nom dans l'eau, quiconque utilise ton nom dans des forêts, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu le localise, que cet homme, que cet esprit neutralise, soit neutralisé maintenant. Que son pouvoir soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que ta vie soit libérée, que ton nom soit libéré au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Celui qui avait volé ton nom dans le monde spirituel, qu'il lâche la prise maintenant. Qu'il lâche la prise maintenant. Celui qui avait volé ton identité, voleur de étoiles, voleur d'âmes, voleur de nom, au nom de Jésus, je neutralise son pouvoir, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi, que le Seigneur t'accorde un nom nouveau. Ton nom ne sera plus échec, mais ton nom sera succès. J'ai prié pour toi, tant que prophète, je déclare, ton nom ne sera plus malheur, mais ton nom sera joyeux. Je prie pour toi, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera plus célibataire, mais ton nom sera marié. Je prie et je déclare, ton nom ne sera plus chômeur, mais ton nom sera un homme qui travaille. Je prie et je déclare que ton nom ne sera plus pauvre, mais ton nom sera riche. Je prie et je déclare, ton nom ne sera plus découragé, mais courageux. Je prie et je déclare, ton nom ne sera plus esclave, mais tu es un vaillant héros. L'ange de l'Éternel avait dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire la vérité. Souvent, nous sommes caractérisés par ce que nous voyons dans nos vies. Gédéon voyait qu'il était un homme faible. Gédéon voyait qu'il était un homme faible. Un homme qui n'avait rien du tout. Il ne croyait pas qu'il était capable. Mais l'ange voyait autrement. Cela veut dire, Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Moi, tant que prophète, je ne te vois pas faible. Moi, tant que prophète, je ne te vois pas faible. Je ne te vois pas faibli, mais je te vois fort.
Reçois la force ce matin. Je ne te vois pas un homme esclave, une femme esclave, mais je vois une femme courageuse. Que le courage t'accompagne, que la grâce t'accompagne, que le miracle t'accompagne. Au nom de Jésus, succès est ton nom, grâce est ton nom, faveur est ton nom, bénédiction est ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu avait dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. En fait, vous savez, il y a des noms et des noms. On peut recevoir le nom de nos parents, mais cela ne veut pas dire que c'est le nom de notre destinée. Le nom de notre destinée vient du ciel. Vous savez, Simon avait le nom, mais le nom de sa destinée n'était plus Simon, mais c'était plutôt Pierre. Je prie et je déclare que Dieu t'accorde un nom nouveau. Que Dieu t'accorde un nom nouveau. Ton nom est succès. Ton nom est fécond. Ton nom est champion. Tu es un champion. Champion est ton nom. Vainqueur est ton nom. Cela veut dire, dans tous les combats que tu auras, tu sortiras victorieux. Victoire est ton nom. Prospère est ton nom. Au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous vous limitez. Je viens d'une famille qui est pauvre. Ma famille est pauvre. Je n'ai pas assez de moyens. Je suis pauvre. Mon père était pauvre. Écoutez, bien-aimés. Regardez l'histoire de David. David ne venait pas d'une famille riche. Le père de David n'était pas riche, hein, entre nous. Lisez la Bible. Mais nous voyons, à cause de la grâce et à cause de l'onction royale, David avait reçu une nouvelle position. La position prophétique, la position royale. Et David était riche. Et non que David, le fils de David, était même plus riche. Salomon, bien-aimé, à cause de Jésus, tu seras riche. À cause de Jésus, tu vas voyager de lieu en lieu. Ah, je prie et je déclare. Tu vas voir des gens que tu n'as même pas imaginé. Tu vas voir des présidents. Tu vas voir des ministres. Tu vas voir des chefs d'entreprise. Reçois la parole. Sois connecté avec cette onction. Monte par la prophétie. Monte par la parole. Monte par la puissance. Monte par la grâce. Monte par l'onction. Monte, mon frère. Monte très haut. Monte très haut. Monte, 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 monte. Monte au-dessus de tes limites. Au-dessus de la pauvreté, au-dessus de liens spirituels, de liens de famille, malédiction générationnelle, monte comme un aigle, monte par l'onction, monte par la grâce, monte par la prophétie. Je te relève ce matin par la parole de Dieu. Je te relève par la parole. Va de lieu en lieu. Ce qui compte, ce n'est pas ton origine, mais c'est plutôt celui que tu as. Et celui que tu as, il est plus fort que le monde. Celui que tu as, il est plus fort que le lien de ta famille. Au nom de Jésus, monte. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois fort. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, oh my God. Je dois enregistrer cette vidéo, hein. Parce qu'il y a vraiment ce qu'on a dit là. Je sens dans mon âme la puissance de Dieu. Trop de trop, c'est trop. Tu dois arriver à un niveau où tu dis non. Si mon père avait souffert, si ma mère avait souffert, moi je ne vais plus souffrir. Fini les souffrances. Pourquoi croire à un Dieu si je vais répéter le même problème de mes parents? À quoi sert-il de croire à un Dieu qui ne change pas ma vie? Mais il y a un Dieu qui change de vie. Il est le changeur de vie. Il est Adonai,
Le Dieu de victoire, les dieux qui donnent la renommée, les dieux qui nous caractérisent, les dieux qui nous façonnent. Et ce matin, il est avec toi. Ce matin, il monte avec toi. Il monte avec toi dans la gloire. Il monte avec toi, bien-aimé. Il te libère de l'échec. Il te libère de la pauvreté. Il te libère de péché. Il te fait monter plus haut. Oh my God! Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu nous as entendus. Seigneur, la prophétie par excellence, c'est ta parole. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu nous fais monter très haut. Tu nous fais asseoir. Tu nous fais asseoir avec des grands. Pendant 5 minutes seulement, je vais prier pour vous. Je voudrais que vous puissiez avoir votre main élevée. La main droite élevée. Ayez la main droite élevée avec foi. Amen. C'est l'heure de la prière prophétique. Je vais exercer mon ministère. Parce qu'un prophète, il parle de la part de Dieu. Je vais déclarer la parole de Dieu qui vient du ciel. Et cette parole que je vais déclarer. Les esprits des prophètes, écoute ma prière. Sois attentif à ce que je déclare en ce jour. Esprit de Dieu, je suis ton serviteur. Écoute-moi. Je veux que ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus. Écoute-moi, Seigneur. Je veux que ton peuple soit libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Libère ton peuple. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi. Que tu expérimentes la faveur. La bénédiction de Dieu. Ainsi que sa miséricorde. Que tu voies la grâce. Que tu voies la faveur. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi que tu puisses aller de gloire en gloire, de faveur en faveur, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que tu voies la main de Dieu, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que le Seigneur se présente dans ta vie, au nom de Jésus. Gédéon, il avait des difficultés à avancer. Gédéon était comme un esclave. Mais Gédéon avait eu la grâce. L'ange était descendu. Pourquoi? C'est ça la grâce. Pour que tu sois libéré des autels. Autels de famille. C'est aussi une question de la grâce. Ce n'est pas que Gédéon était qualifié. Bien sûr, il était courageux. Mais il y avait quand même toute une tribu. C'est une famille d'Abiézer. Mais Dieu a préféré de choisir Gédéon. Cela nous montre la grâce, l'importance de la grâce. Je prie pour toi en ces jours. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. La grâce va nous distinguer. Et vous allez voir que Gédéon, il doutait à ce que l'ange lui disait. Parce qu'il s'est posé des questions. Si l'Éternel est avec nous, oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il questionnait l'ange de l'Éternel. Mais malgré qu'il doutait, malgré qu'il avait des questions, mais l'ange n'avait pas arrêté de lui dire des révélations. Au contraire, plus Gédéon posait des questions, plus Gédéon doutait, plus l'ange aussi lui parlait. La grâce. Parfois, ça arrive que nous doutons aux promesses de Dieu. Parfois, ça arrive que nous disons, Seigneur, où es-tu, où es-tu? Mais ce n'est pas ça. La grâce couvre même nos fautes. Quand la grâce descend sur vous, la grâce va couvrir vos fautes. J'ai dû en douter. Mais par la grâce, l'ange commençait seulement de lui parler. Je prie pour toi. Malgré vos fautes, Dieu n'aime pas le péché. Je ne suis pas là pour faire la promotion du péché. Non. Je vous dis la vérité.
Il est écrit, là où le péché est abondé, la grâce a surabondé. J'ai prié pour toi. Que tu voies la grâce de Dieu. Que tu voies la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que tu expérimentes la faveur et la bonté de Dieu. J'ai prié pour toi. Que tu puisses aller de gloire en gloire, de faveur en faveur. Toi qui vives dans une famille qui a beaucoup de problèmes. J'ai prié pour toi. Que Dieu te bénisse. Ce que je vais seulement déclarer sur toi, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous distingue. Que la grâce t'accompagne. Que tu vives la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne en cette semaine. Que tu marches dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Pour être délivrés, en réalité, c'est la grâce. Je vous dis la vérité. C'est la grâce. Il est écrit dans Éphésiens 2 que nous sommes sauvés par la grâce. J'ai prié que Dieu t'accorde la grâce pour que tu sois sauvé. Recevez ces paroles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis par la parole de Dieu. Je vous bénis par le Saint-Esprit. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous bénisse. Et je prie aussi, après avoir reçu la grâce, comprenez que la grâce, quand elle vient, elle nous impacte. Mais la grâce veut aussi que nous puissions marcher dans l'obéissance. Gédéon était délivré parce qu'il était courageux premièrement. Deuxièmement, Gédéon était délivré parce que Gédéon avait obéi à la parole de Dieu. C'était un homme qui opérait dans le prophétisme. Il a bâti un autel. Il a renversé, il a combattu le bon combat. Mais tout d'abord, c'était la grâce. Je prie que la grâce vous touche. Dès que la grâce descend sur vous, le reste, ça va aller. La grâce va vous révéler des choses que même vous ne connaissez pas. Ma prière est que vous ayez la grâce, que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu ouvre vos yeux pour que vous viviez la bénédiction et la délivrance totale. Que Dieu vous bénisse en ces jours, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. 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 Amen.